c'est un concert avec deux groupes qui sont assez différents. Il y a nous avec notre concept de mélange de musique électronique populaire, on va dire, enfin techno, voilà, on va dire ça comme ça, que ça va de la techno à la musique industrielle pour mes influences. Et puis le travail de Christian qui est plus autour de la musique acousmatique, donc musique électronique plus savante, on va dire ça comme ça. Et voilà, avec l'héritage français du GRM. Le projet évolue à chaque concert. Là, on se sent bien, on n'a même plus besoin de se regarder, ça avance et on sent la salle. Et donc, c'est cette sorte de fusion qu'on recherche entre les deux univers. Ce soir, il fonctionnait bien. Alors le concert de ce soir, donc c'est un concert du Sacre du Tympan autour de la musique de François de Roubaix. Donc François de Roubaix qui est un compositeur français de musique de film essentiellement. Le concert de ce soir c'est un peu particulier parce que c'est le premier concert qu'on fait avec une scénographie, c'est-à-dire avec de la lumière, avec quelques images aussi. Et donc c'est vraiment une grande première parce qu'on l'a jamais fait avant et voilà, on a envie de présenter le spectacle comme ça. J'espère qu'il y a des gens qui vont nous découvrir ce soir, voilà. Je connaissais absolument pas et c'était génial. Enfin, nous, on était... Je pense qu'on peut le dire, on était le groupe de gauche à côté des enceintes qui arrêtait pas de danser et d'hurler parce qu'on était comme des fous et que la musique était vraiment cool. But this room's amazing. This room's yeah, it's stunning, isn't it? Yeah. We were walking around today and we were saying this in Paris, just the buildings are amazing. We don't have this in London. And so you don't come into places like this. It's really special. You're very lucky. Ça fait, je pense, une dizaine d'années que je fréquente au moins ce festival. Et ce festival apporte énormément de choses aux gens, que ce soit des ciné-concerts, des débats, des conférences dans des lieux complètement genre. Enfin, j'ai vu des conférences à Villévrard, un asile psychiatrique. Enfin, il y a des choses folles qui se passent et qui nous permettent juste de nous ouvrir et d'entendre les gens.